Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 118. Psaume chapitre 118, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 118, nous lisons la parole de Dieu. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite.
qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Louez Dieu du haut des cieux, alléluia. Louez-le sur toute la terre, alléluia. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, te chanter Seigneur, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia. Oui, tu es notre trésor, notre Dieu, tu es tout pour nous, notre Père, et nous te disons même merci, merci vraiment d'être ce que tu es pour nous, Père Dieu, de nous apporter la joie, la consolation, le soutien et le secours, mon Père. Vraiment, tu es vraiment merveilleusement bon pour chacun de nos pères. Oh Dieu du ciel, c'est vrai, quand nous pouvons regarder par tibissant ce que toi, tu continues à pouvoir faire pour nous, hier et aujourd'hui, Père Saint-Dieu, encore, nous sommes dans ta présence et tu nous soutiens, tu nous fortifies. Seigneur, tu as vraiment pourvu d'une manière tout à fait particulière. Que ton nom soit exalté, Père. Louange à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour nos bien-aimés frères et sœurs que tu as aussi soutenus, Père, et ton peuple qui est rassemblé aussi en ces lieux, mon bien-aimé Père Tibissant, toujours aussi fervent pour pouvoir te louer, te glorifier, Père Saint-Dieu, parce que c'est pour cela que nous vivons, mon bien-aimé Père Dieu. Oh, que tu sois vraiment exalté, Seigneur, que tu sois béni pour un tel peuple que tu as, mon bien-aimé Père Dieu. Pardonne à ton peuple, mon roi, fortifie-le, Père Dieu, voir réellement le soupir et les désirs de pouvoir vraiment se conformer à ta volonté, Seigneur. Oh Dieu, il est là dans ta maison pour pouvoir te louer, chercher ta face, mon roi. Que tu récompenses ton peuple, Père. Merci pour ce que tu fais, Père. Nous prions aussi pour tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont sans cesse aussi connectés quand nous avons réunion, Père, mais qui soient aussi bénis parce que ce n'est pas facile, mon roi, mais nous pensons à eux, mon Seigneur Jésus, parce qu'ils ont réellement cette foi, cette espérance que toi aussi tu agiras aussi pour chacun d'eux. Merci, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour la santé. Merci aussi pour la force, pour ce que tu fais pour nous, bien-aimé Père Tibissant, pour, oh, tu as pris soin de nous, Père, tu en as le moins de détails encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes vivants aujourd'hui, mon Père. Merci, Père, pour les chants et les cantiques et la joie d'être parmi ton peuple, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Oui, il est bon, notre Seigneur, et je voulais aussi vous remercier sincèrement du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait dimanche et toute la semaine, effectivement. Pour tout ce que vous avez fait travailler, le frère qui ont travaillé aussi, et les sœurs, et vous avez tout fait pour aussi accueillir vos frères et sœurs, et ils sont partis avec beaucoup de joie, et aussi beaucoup de consolation aussi, et nous remercions Dieu pour cela. Que Dieu vraiment vous bénisse pour les efforts et toute aussi l'énergie et tout le moyen que vous avez mis aussi en œuvre aussi pour que cela soit aussi des moments bénis et particuliers aussi. J'ai pu voir aussi des dons que Dieu nous a donnés parmi nous aussi, de voir aussi la manière dont le Seigneur utilise effectivement aussi ses enfants, que Dieu soit glorifié. Nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il donne comme don, qu'il suscite aussi. Et c'est une grande bénédiction pour nous de voir effectivement aussi comment, avec l'élan de cœur, effectivement, chacun de vous a eu à pouvoir aussi se donner. Nous prions Dieu pour qu'il agisse encore davantage et qu'il vous bénisse et qu'il vous récompense aussi. C'est vrai, des jours comme cela, c'était des jours un peu particuliers. Bon, c'est un peu long, mais que le Seigneur nous aide. Mais quand même, c'était quand même des moments bénis où nous pouvions avoir aussi des temps avec nos frères et sœurs venus de loin comme de près. Croyons que Dieu nous accordera encore la grâce pour cette année encore de pouvoir avoir de tels moments où nous pouvons prier aussi ensemble et nous puissions vraiment disposer de temps pour que nous
puissions davantage nous rapprocher. C'est le moment, c'est aussi les temps dans lesquels notre Dieu nous a placés, positionnés aussi. Je voudrais d'abord dire aussi une chose, que notre frère Kokolo a perdu donc sa tante, et cela, je crois que sa tante est décédée au Congo-Brazzaville. Il devrait normalement traverser pour aller donc aussi donc enterrer. Donc sa tante était la personne qui était restée en fait la dernière parmi donc les femmes en fait dans sa famille. Donc c'est aussi un moment qui est très difficile aussi pour lui. Il a eu à pouvoir perdre aussi une personne aussi qui représentait aussi la famille. Nous allons donc prier pour lui aussi. Tendre Père et précieux Sauveur, et nous te prions pour notre frère Kokolo Père, et là où il est, que tu le soutiennes aussi Père, parce qu'il a perdu aussi un membre de sa famille. Et c'est vrai, les temps ne peuvent pas effacer ce que nous a été enlevé dans notre vie. Quand nous nous souvenons, nous réalisons toujours qu'il y a un vide quelque part. Mais c'est toi, Père Saint, qui peux combler cela dans la vie de quelqu'un. Et que tu puisses te souvenir de notre bien-aimé frère. Et nous prions aussi pour toute sa famille, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, afin qu'il soit aussi consolé. Et retrouve aussi la joie de pouvoir aussi voir que tout ce que tu donnes, autant marqué, tu le reprends aussi, Père Saint-Dieu, parce que c'est toi qui as donné. C'était des moments bénis quand tu donnes et que nous vivons avec ces personnes. Et quand ils doivent être aussi rappelés, Père Saint-Dieu, c'est vrai, c'est une tristesse, mais le cœur est toujours aussi tourné vers toi pour te dire merci pour tes décisions. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre sœur Rebecca Bougie elle m'a écrit pour me rendre un témoignage qu'il a vraiment aussi saisi du cœur. Elle m'a dit que la nuit de samedi à dimanche, j'étais cela, elle priait le Seigneur et était vraiment dans la prière et implorait la grâce du Seigneur et son cœur a été touché. Et je crois que c'était aussi avec des larmes qui... En cet moment, dans sa prière, il prie et dit, Seigneur mon Dieu, je te prie, je me donne de tout mon cœur à toi. C'est extraordinaire. Moi, je te connais parce que je t'invoque par ton nom, mais est-ce que tu me connais? Elle dit, c'était sa prière la nuit du vendredi, non, du samedi à dimanche. Alors, qu'est-ce qu'il a été vraiment touché profondément dans son cœur de voir comment le Seigneur a eu à pouvoir aussi lui répondre et surtout répéter exactement la même question, préoccupation auprès de Dieu dans sa prière là-bas au Canada. Et en étant connectée ici, elle a eu à pouvoir entendre. Alors elle a réalisé que Dieu la connaissait. C'est une grande consolation quand nous pouvons réaliser que dans notre chambre à coucher, à genoux quelque part, on a l'impression que Dieu peut-être n'entend pas. Dieu ne voit pas effectivement, mais les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Là où nous sommes réellement aussi sincères dans notre cœur, il est présent. Et comme nous disons effectivement aussi, il est omnipotent, il est omniprésent et omniscient. Donc il est tout en tout en fait. C'est pour ça que nous devons être conscients d'une chose, c'est que je le répète souvent, nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Et nous ne servons pas un Dieu qui ne vit pas ou qui peut être un Dieu qui était dans le passé et qui est resté dans le passé et qui a vieilli et qui n'a plus la capacité de pouvoir agir comme on nous a fait part, effectivement. Mais nous servons un Dieu qui ne change point, qui n'a pas d'âge et puis il est l'Éternel, donc... Vous savez, l'âge, c'est pour nous qui sommes dans l'espace-temps. C'est quand Dieu a créé le temps, alors effectivement, on pouvait commencer à compter l'âge. On regarde effectivement les années comme cela est écrit dans les Saintes Écritures. Mais lui, il est au-delà de temps, en fait. Donc, il reste toujours le même et sa puissance. Nous, vous savez, quand les années passent, évidemment aussi, on commence à perdre des forces parce qu'on vieillit. Mais lui, il est toujours l'Éternel. C'est pour ça que nous devons être conscients que c'est vraiment une grâce, un privilège de pouvoir le connaître. Et surtout aussi de pouvoir avoir
dans notre cœur cette crainte à son endroit. C'est-à-dire que quand on parle de la crainte, je le répète toujours, c'est le respect, hein, respect avec une révérence à l'endroit de celui que nous prions, que nous servons, que nous appelons d'Éternel notre Dieu. Et aussi, si nous sommes donc conscients de cela, nous sommes des serviteurs et des servants de l'Éternel. C'est-à-dire que nous savons que si nous sommes de ceux-là qui sont dans cet office de pouvoir le servir, les sœurs et les frères aussi également, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement quand on apporte la parole qu'on est aussi serviteur. On peut servir Dieu dans différents domaines. Parce que vous pouvez voir cela dans les livres de Corinthiens, effectivement, qu'il a aussi donné les dons, ceci pour aussi... pour le corps de Christ, effectivement, aussi pour l'Église, de manière à ce que ça soit pour l'édification, en fait. C'est ce que nous devons comprendre. Ce qui veut dire que quand Dieu te donne quelque chose, tu ne dois pas... C'est vrai que nous nous sentons petits au devant de ces dieux, mais nous devons nous sentir aussi responsables d'agir pour que Dieu soit glorifié. Nous sommes de ceux-là qui, au travers desquels, effectivement, dans un âge qui est tellement mauvais, dans des périodes comme celle-ci, effectivement, au travers de qui on doit voir que le Jésus de la Bible est toujours présent et vivant et qu'il vit dans ceux qui sont réellement à lui. Nous le remercions vraiment du fin fond de notre cœur et j'ai dit, si cela nous était donné, en fait, de pouvoir aussi nous retrouver tous les jours, c'est quelque chose de merveilleux. Je dis bien, si cela nous était donc possible de se retrouver tous les jours, que ce serait merveilleux. Tous les jours, vous allez au travail, ça ne vous ennuie pas, pour gagner votre pain. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, même d'autres samedis, j'ajoute encore dimanche. Mais si on pouvait faire ça pour Dieu, parce que nous disons qu'il est au-dessus de tout. Il est le premier dans tout, nous l'aimons, nous le désirons, effectivement. Alors on doit le placer à sa place. Je n'ai pas dit que je vais vous faire venir tous les jours. Parce que bon, les cœurs commencent peut-être un peu... Non. Je vous dis simplement, réfléchissons un peu. Et vous savez, dans les Saintes Écritures, on dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Alors, personne ne les obligeait, en fait. On ne les a jamais obligés, dit, comme tu as cru, frère, tu dois vraiment venir au temple tout le temps. Non, c'était au plus profond de leur cœur. N'oubliez pas ce que vous entendez, en fait. Ce ne sont pas des histoires. Ce sont des choses vraies, parce qu'ils nous démontrent, effectivement, que ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer, cela a trouvé aussi son application, en fait. Et dans le cœur de ceux qui ont cru. Vous pouvez réaliser une chose dans les Saintes Écritures. C'est quand même étonnant, mais vraiment véridique, c'est-à-dire vrai, je vous en supplie, de voir vraiment que Dieu est vraiment vrai et que ce qu'il dit, il a dit avec raison à Jérémie, je veille sur ma parole. Oui. Vous vous souvenez, je pense, ça doit être dans Ézéchiel ou Jérémie, je pense, Ézéchiel, quelque part, effectivement, il a dit une parole, je pense, ça doit être de... Laissez-moi regarder un peu, si c'est que si c'est là, ça devait être dans Ézéchiel, quelque chose comme ça, hein, ça c'est... Voilà, c'est que c'est dans Ézéchiel qu'il a dit cela. Dans le bâtiment de son terme, sinon, je vais me retrouver. Voilà, je pense que c'est... Si, Ézéchiel au chapitre 11. Vous voyez, Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. Si vous vous souvenez, c'est... Ézéchiel chapitre 11, c'est cela aussi. Oui, je pense 11. Je ne me trompe pas, merci Seigneur. Ézéchiel chapitre 11. Ah, eh bien, voilà, c'est quoi, c'est ça. voilà. C'est ça. Oui.
C'est chapitre 11, le verset 19, je pense que là. Écoutez bien, il dit ici, hein, Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Voilà, il dit, je leur donnerai, vous entendez? Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Voilà cela. Et là, il déclare bien que dit, je leur donnerai un même cœur. Si vous regardez très bien les jours de la Pentecôte, c'était les jours où l'apôtre Pierre a prêché, vous vous souvenez? Et vous devez vous souvenir aussi que la Bible dit que ceux qui reçurent sa parole de bon cœur furent donc baptisés. Et dans le chapitre 4, le verset 32, vous pouvez aller lire avec vous, hein? Je crois qu'il y était ça. Juste pour que vous puissiez voir. Acte 4, voilà, acte 4, chapitre 4, verset 32, vous vous souvenez? Nous avons lu ça avec vous, hein, lorsqu'il les a interdits, nous avons lu, je ne sais pas quel jour on a lu ça, mais il dit, après avoir été relâchés vers le droit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Et racontent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, vous y êtes? Et ils élevèrent la voix à Dieu, la voix tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui se trouve. Vous avez remarqué, on a bien dit tous ensemble. Et ce qui est particulier, ce sont les paroles qui sortent de la bouche de tous ensemble. Est-ce que vous suivez? Regardez. Il dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi, si tu mutes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton, sont oints. En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient, vous entendez, non? Assemblée trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc évidemment, il dit, je leur donnerai un même cœur. Ça, c'était annoncé dans le livre d'Ézéchiel, longtemps d'avance. C'est pour que nous comprenions que ce qui est écrit, en fait, n'est pas une histoire. Mais c'est en fait la chose que Dieu a eu à pouvoir déclarer et qu'il va aussi réaliser. Et ça, ça ne peut pas échouer parce que le jour de la Pentecôte, on a vu son accomplissement. Donc, tous, ils n'avaient qu'un. Donc, la multitude, en réalité, c'était nombreux. Et tous n'avaient qu'un seul cœur, une même âme, ce que Dieu avait déclaré. Alors, nous voulons lire dans le livre de Colossiens. Ici, Colossiens au chapitre 3, où la parole de Dieu nous dit, verset 1, c'est important cela. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Donc c'est d'abord, il faut que vous soyez donc sûr et certain que vous êtes donc ressuscité avec lui. C'est-à-dire que vous avez donc en vous cette certitude qu'il y a réellement quelque chose qui s'est passé au-dedans de vous, en fait. Pas dans l'imagination, pas dans la pensée, mais dans la réalité que réellement il s'est passé quelque chose. Parce qu'on nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec lui, c'est-à-dire non, si vous êtes ressuscité avec Christ, alors cherchez donc les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors pour que toi, tu puisses donc arriver à pouvoir chercher cela,
être en fait soupirant de choses qui concernent donc des choses d'en haut, il faut que réellement que ce qui s'est passé au-dedans de toi soit quelque chose qui vient d'en haut. Parce que aussi longtemps que nous sommes terrestres, nous serons toujours intéressés par les choses terrestres. Parce que c'est ce qui nous constitue. Des biens matériels qu'on voit parce que nous sommes de la terre. Mais maintenant, s'il s'est passé quelque chose qui est venu d'un autre lieu, effectivement, si, et cette chose en question a pris place en nous, alors il doit y avoir maintenant une révolution. C'est-à-dire qu'effectivement, que quand on nous parle effectivement qu'il est ressuscité avec lui, donc ça nous fait comprendre une chose. Et c'est cela que dans Romains, il nous dit, Romains au chapitre 6, je pense que c'est cela. Nous pouvons lire Romains au chapitre 6. C'est ça. Oui, je pense que c'est cela. Alors, Romains au chapitre 6, il dit ceci. Au verset 3, il dit, ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, que c'est là que nous comprenons quand l'apôtre Paul peut s'écrier, il dit, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est bien Christ qui vit en moi. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, parce qu'on nous fait savoir qu'en réalité, que là, effectivement, parce que nous sommes ressuscités avec lui maintenant, il nous a donc demandé que nous devions marcher donc en nouveauté de vie. Parce que il y a une autre vie qui a pris donc place dans les hommes que nous pouvons voir, parce que ceci devient donc le voile pour la vie. Parce que ce n'est plus cette vie que nous avions, en fait, en réalité, parce qu'il est bien de montrer que nous sommes morts donc avec lui et que nous sommes aussi ressuscités avec lui. C'est important que vous saisissiez ces choses, mon frère et ma sœur. Parce que nous nous souvenons que la question, comme notre sœur revient avec cela, effectivement, il était celle-ci, ce que toi tu connais Dieu, mais est-ce que Dieu te connaît? C'est cela que nous devons, et c'est que j'arrive à pouvoir dire dimanche, c'est cette question qui doit être permanente dans ta propre pensée, effectivement, dans ton âme, que tu dois être conscient de toi-même, parce que, et c'est que, il y a un des pasteurs qui m'a écrit, qu'effectivement, que, et ça l'a permis de pouvoir aussi se poser des questions, et se réagir, à l'étranger, je veux dire, hein, de pouvoir, moi, se positionner pour pouvoir savoir maintenant comment agir, parce que, vous ne réalisez pas, mais ces hommes-là, ces personnes-là, ils ont bien fait des choses comme ils voulaient, et prêchant, effectivement, et agissant comme cela, effectivement, parce qu'ils parlaient de Jésus, mais Jésus ne les connaissait pas. Il ne faut pas non plus que nous aussi, nous puissions être dans cette condition-là. Que nous, nous trouvions un jour, effectivement, pensant que nous allions, il va nous accueillir le bras ouvert, effectivement, lorsque nous fermons nos yeux, et que quand nous fermons nos yeux, nous nous trouvons à un autre endroit. Parce qu'il ne peut pas t'accueillir, parce qu'il ne te connaît pas. Ah oui, parce que regardez dans le livre de Colossiens que nous avons lu tout à l'heure. Retournons dans cela. Il dit, verset 2, il dit, mais donc affectionnez, Colossiens 3, verset 2, il dit, affectionnez-vous donc aux choses d'en haut. Donc ayez donc de l'affection, ayez donc effectivement de l'amour profond pour les choses d'en haut. Est-ce que vous comprenez? Il est difficile de pouvoir avoir affection, d'affectionner aux choses que vous n'avez pas vues, vous n'avez pas touchées. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que c'est difficile de pouvoir tout le temps penser aux choses qui concernent Dieu, effectivement, sans avoir à pouvoir toujours penser aux choses matérielles, aux choses naturelles, effectivement, parce que nous sommes charnels. Mais là, on nous dit qu'effectivement, que affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et puis, il continue, c'est l'Écriture qui dit, et non à celles qui sont sur la terre. Alors nous voyons que dans nos sentiments, notre façon d'être, effectivement, nous sommes toujours terre à terre. Toujours et souvent, terre à terre. Ça veut dire qu'effectivement, que nous ne sommes pas encore morts. Ok.
pour mourir aux choses de la terre, parce que si nous regardons très bien, c'est quand même profond dans nos cœurs. Si nous regardons très bien, le Seigneur nous montre cela, comme il le dit, effectivement, que je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre cœur des cœurs de la pierre, et puis je vous donnerai aussi un esprit nouveau. C'est une nouvelle création. Parce que, regardez très bien, je pense que c'est dans Romains au chapitre 6, hein, et quelque part où il nous parle effectivement que nous ayons été dépouillés du vieil homme, effectivement, quelque part. Mais je pense que peut-être qu'il ne parle pas. Oui, mais voilà, quand il dit ça. Et donc, Romains chapitre 6, nous continuons, il dit là-bas, et puis nous revenons au Colossiens 3. Romains chapitre 6, il dit verset 4, je relis encore, il dit, nous avons donc été ensevelis. Vous y êtes? Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous suivez? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, vous suivez hein? Nous le serons aussi. Donc là, ça ne peut pas rater. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous comprenez? Donc réellement que nous allons la résurrection. Et puis écoutez bien, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc effectivement que c'est comme cela que je suppose qu'effectivement dans le livre de Colossiens aussi, il nous parle que ayant donc appris à nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt jour au jour effectivement ainsi. Donc le vieil homme est toujours celui qui est terre à terre. C'est lui qui a toujours des problèmes, c'est lui qui soupçonne toujours, c'est lui qui est toujours assis, qui a toujours des mauvaises pensées, c'est lui qui fait toujours des choses. C'est-à-dire que là où il est, il n'y a pas de paix, il a toujours des problèmes, toujours. C'est toujours le vieil homme. Et il a des jalousies, tout un tas, tout ce qui. Vous connaissez cela, non? Vous connaissez, non? Donc, ce vieil homme, ça, c'est sa nourriture, en fait. Donc, il s'est nourri comme ça. Mais si vous lui privez cette nourriture-là, il ne va pas vivre. Est-ce que vous avez compris? C'est cela. C'est par là qu'il prend sa force, effectivement, parce que vous lui donnez ce qui doit lui permettre de pouvoir s'enraciner. Mais couper la ration, couper tout ça, vous voyez qu'il ne va plus vivre. Alors, qui est-ce qui va vivre, effectivement? Mais l'homme intérieur. Crié à la sainteté, à la gloire de Dieu. Donc, effectivement, nous comprenons que c'est absolument nécessaire que nous réalisons ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Parce qu'à ce moment-là, c'est que si nous avons cette vie, donc une vie qui n'est pas terrestre, ah ben oui, c'est une vie qui est donc céleste. Vous comprenez cela? Il est donc normal que, n'ayant plus cette vie terrestre, nous avons cette vie céleste, que nous puissions tous les jours nous affectionner aux choses d'en haut. Ah oui, pourquoi? Parce que notre Dieu, nous avons la certitude qu'il est vivant, et qu'effectivement aussi, que c'est pour ça que nous prions que ta volonté soit faite. Sur ta volonté à toi. La volonté de qui? De Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, vivant sur la terre, comme on nous voit ici, effectivement, mais nous sommes, comme la Bible dit, des pèlerins, des étrangers et des voyageurs. Notre cité n'est point d'ici-bas. Ce n'est pas seulement à toi, parce que tous ceux que Dieu a eu à pouvoir réellement aussi appeler, qu'il ait choisi, il avait mis le même dessein aussi dans leur cœur. Quel est donc cet dessein aussi dans leur cœur? Comme ça. Nous allons voir dans le livre des Hébreux, est-ce que pour que nous comprenions que si nous ne croyons pas, c'est nous-mêmes qui nous freinons, mais ceux qui nous ont précédés ont témoigné que Dieu était vrai et que sa parole est la vérité, comme cela est écrit dans les Saintes Écritures. Alors, nous lisons ici qu'effectivement, que les Hébreux au chapitre 11. Alors il dit ici, c'est ici, je pense que c'est pas ça, oui, à partir du verset 8. Voilà, nous pouvons lire à partir du verset 8, parce que c'est là qu'on a. Alors il dit, mais c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait.
Vous comprenez? Et c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, le co-héritier de la même promesse. Car, vous entendez? Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, Abraham dans son temps. Parce que toi et moi, c'est là que j'ai dit que Dieu nous aide pour que cette incrédulité, cette façon de pouvoir avoir notre foi, façon de voir comment penser Dieu et limiter Dieu, que ça sorte effectivement de notre pensée. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on verra Dieu, mon frère. Parce que cet homme, ces hommes-là, dans l'ancien, donc l'ancien, donc de lointain, déjà ils croyaient à cette cité, qu'elle existait, dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Et quand Dieu est venu lui-même dans la forme d'un homme, qu'est-ce qu'il nous a dit à nous? Je vais vous préparer. Et puis, Jean l'a vu. Cette cité dont Abraham soupirait. Donc, Abraham a toujours donné raison à Dieu. Et c'était vrai. C'est vous qui êtes tenté de pouvoir jouer avec les choses. Quand on lit dans les Saintes Écritures, vous prenez cela comme en fait des journaux qu'on a peut-être lu. Effectivement, ce ne sont pas des choses. En fait, vous croyez, mais en fait, vous ne croyez pas vraiment. Mais c'est en fait nous-mêmes qui nous éjectons. Ah, vous vous souvenez dans les Saintes Écritures, quand c'est Paul et Silas, ils ont regardé les Juifs, ils disent, mais vous vous jugez vous-même indigne de la vie. Ah bah oui, c'est pas Dieu. Hein? Ah non, c'est pas Dieu qui les a rejetés. Vous suivez, Dieu ne les avait pas rejetés, mais c'est eux-mêmes. Ah oui, il dit, vous jugez vous-même. Il n'a pas dit que Dieu vous juge indigne. Hein? Non, mais vous jugez vous-même indigne. Eh bien, dis donc. Ça veut dire que c'est aussi une responsabilité qui nous incombe. Parce que Dieu nous ayant montré au travers de ses serviteurs dans la cité. Alors, revenons ici en Colossiens, regardez bien. Alors, il nous fait savoir, il dit bon, car, écoutez bien, verset 3. Faisons-nous donc aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Il dit mais, car vous êtes morts, écoutez bien, et votre vie est cachée avec Christ. En Dieu. Alors, quel bonheur et quel privilège et quelle joie, quelle reconnaissance de pouvoir réaliser que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est de qui, hein, c'est que ça, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, on se pose la question. C'est écrit ici, regardez très bien. Car est votre vie, vous êtes mort et votre vie est caché avec Christ en Dieu. Alors, on se pose la question de pouvoir savoir votre vie en question, c'est quelle vie dont les Saintes Écritures parlent ici? Parce qu'il dit bien votre vie. Donc, il dit, je l'ai dit encore, vous êtes mort, car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, c'est quoi c'est votre vie en question? C'est quelle vie dont les Saintes Écritures parlent? Alors, vous remarquerez très bien, mon frère et ma sœur, que une telle personne, il ne peut même pas se poser la question en se disant, ah, est-ce que vraiment ce jour-là, est-ce que ce jour-là, non, parce qu'il a quelque chose qui le rassure, hein? Il a un témoignage, effectivement, en lui-même. Oui. Comme la Bible nous dit que l'Esprit donc rend témoignage à un autre esprit. Ah. Quel est le notre esprit, là? Dans l'esprit rend donc témoignage. Vous voyez, frères et sœurs, c'est... Vous écoutez, mais c'est comme si vous n'écoutez pas, en fait. Ça rentrerait par ici, ça sortirait. Et vous me regardez toujours. Il parle comme les gens disent habituellement dans le monde. Je ne sais pas si vous dites, mais cause toujours, tu m'intéresses. Je dis pas que vous dites comme ça, mais c'est un peu comme cela qu'on peut dire d'une certaine manière ou d'une autre. Parce que si vraiment nous étions
attentif à Dieu. Il dit, ton bien-être serait tellement comme un fleuve. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Vous voyez, aujourd'hui, le monde est secoué et les gens sont... Je ne sais pas comment quelqu'un m'en parlait de cela. Je ne sais pas si quelqu'un m'a fait part, ça dit, mais il y a je ne sais pas si c'était la soeur Bibi, je ne sais plus très bien qui elle ça. Elle nous dit, mais en fait, il y a une photo qui est sortie. On voit une porte, le virus, il s'en va. Il s'enfuit parce qu'il a vu, c'est parti. Et de l'autre côté, porte qui s'ouvre, c'est Poutine qui rentre. Le virus dit, mon temps est terminé. Je suis parti, donc je vous dis au revoir, bye bye, parce qu'il n'y a plus besoin de masque. Tout ce qu'on vous dit maintenant, c'est que ce n'est plus nécessaire. Ben oui, ce n'est plus nécessaire. Mais seulement, ils vous retiennent un peu pour dire, bon, encore dans un mois. Mais dans un mois, ce virus ne va pas attendre 2 mois, 3 mois. Je ne vous comprends pas. Ils sont des scientifiques. Moi, je n'ai rien à voir avec les scientifiques, mais avec notre petite logique. C'est pas, le virus va dire, bon, c'est dans mon nom. Mais il peut rester autant qu'il veut. Bon, bref. Nous avons prié, vous vous souvenez? Amen. Nous avons dit qu'il vient, il est venu, il s'en ira aussi. Et nous le vivons, en fait, hein, on redevient. Non, c'est là. Dieu, quand il parle, c'est vrai. Amen. C'est nous qui ne prêtons pas attention avec cela. Bon, maintenant, voilà que les choses changent. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Acheter des comprimés pour les diodes nucléaires. On donne gratuitement. Ça, c'est parce que, bon, soudainement, la bombe nucléaire ou bien la guerre nucléaire, c'est que ça s'explose. Vous voyez comment est-ce que les choses vont. Parce qu'on dormait bien, c'est dire, bon, on était habitué à Corona. Et maintenant, Corona a plié bagage et est parti. Maintenant, Poutine est venu. Et c'est avec quoi? C'est avec les bombes atomiques. Tchernobyl, oh, non, je ne suis pas informatique. Ils ont tous peur maintenant. Comme on a saisi Tchernobyl, on va larguer. Ce qu'on appelle effectivement des émissions des radioactives. Oui, c'est ça. Vous voyez, le monde n'est pas en paix. Vous attendez quoi de ce monde, en fait, je ne sais pas. Parce qu'après Poutine, il y a encore d'autres choses. Hein. Donc, si vous maîtrisez Poutine, il y a encore Arine qui va sortir. C'est pas. C'est pour ça que nous devons être sûrs de là où nous sommes, frères et sœurs. Considérez que nous nous rassemblons comme au temps où le Seigneur était sur la terre. Que nous venons simplement, que Dieu nous aide davantage parce que nous voulons être avec Dieu. Que nos motivations, nos désirs... Regardez aujourd'hui en Ukraine, ils étaient bien dans leur maison, ils habitaient avec leur voiture et tout ça. Maintenant, regardez tous en train, ils commencent à pourvoir. Les autres, ils disent, nous avons tout abandonné. Mais comment veux-tu porter ta maison? Pensez à ça, frères et sœurs. On s'accroche à des choses futiles. Tu es venu avec rien. La Bible l'a dit. Tu partiras aussi avec rien. On ne voit pas les leçons. L'homme, Dieu est tellement bon, mais l'homme ne tire pas de leçons. Par les virus, il a souri déjà, mais regardez, vous tenez à votre sang, tout ça. Je peux détruire. Ça peut être détruit en un moment. Et maintenant, on se bat, mais bon, on se bat, les bombes vont commencer à boire, tomber là-bas, tout l'air bien, la maison et tout ça, détruite. Mais d'après ce qu'on nous dit, il semblerait que ce que j'ai entendu, je reviens dans mon écriture, puis on va prier. D'après ce que j'ai entendu, j'ai dit, Poutine vise le Belgique. C'est pas moi qui dis, vous êtes au courant, mais il vise vos pays. Vous êtes la capitale de la base centrale. Ah, vous n'aviez pas, vous dormez tranquille. Oh, mais ils ont dit, les espions ont dit, mais nous étions toujours les yeux focalisés. Première menace, États-Unis. Deuxième menace, petit pays là. C'est lui là, vous dormez bien. Mais oui, on fait des projets pour vous. Hein. Pas des projets de bonheur. Hein. Dieu fait des projets de bonheur pour nous. Hein, vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut être en Christ, mon frère. On ne peut pas te forcer ni soupirer seulement, Seigneur, fais-moi entrer, parce que même quand les calamités sont dehors, moi je suis là dans cet endroit, comme le psaume 94, non? 91, je pense. Hein? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors où veux-tu que moi j'aille me reposer? Dans le tunnel? Ça va être inondé.
Dans le métro, mais vous voyez, il n'y a vraiment pas un endroit. Bref, c'est pour simplement que nous comprenions. Donc, nous revenons. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est cela la chose que nous devons réellement aussi nous poser la question de pouvoir savoir. Ça veut dire quoi? Que ma vie à moi est cachée avec Christ. On n'a pas dit que ta vie à toi est cachée en Dieu. Il faut que tu lises bien les saintes écritures. Ah oui, 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 oui. Dieu, quand il dit quelque chose, il sait parfaitement très bien ce qu'il dit. Il dit, votre vie, donc ta vie à toi, est cachée, c'est écrit bien ici, hein, ta vie à toi. Non, 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 ta vie à toi est cachée avec Christ. Oui, en Dieu. Alors, quelle est cette vie, en fait, qui est donc la tienne, lorsqu'on dit la vôtre, est cachée avec Christ, en Dieu. Quelle est donc cette vie en question? Nous l'avons quand même, il va pouvoir le déclarer ici. Tout ce qui a un commencement aura toujours une, bien sûr. La vie terrestre ici, ça ne pourra jamais devenir une vie éternelle. Elle a commencé, oui monsieur, elle va aussi. Ah oui, c'est pour ça que on nous dit que nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Parce que vous pouvez réaliser qu'effectivement que la vie que vous menez, c'est une vie charnelle. C'est ça, cela que le Seigneur a dit à Adam, tu as été tiré de la poussière. Tu retourneras donc. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre à ce moment-là, lorsque l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que de la même manière que nous avons revêtu l'image du... La mort est venue par Adam. C'est écrit, non? Donc, tous ceux qui sont donc descendants d'Adam, qui ont donc cette vie de mort, ils doivent mourir. Vous êtes d'accord? Soyez conscients de cela. Vous allez mourir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cercueils. Oui, de toutes les formes. Et puis qu'il y a des cimetières partout dans le monde. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas un lieu qu'on appelle ces cimetières qui manquent. Tous les pays, même les petits. Tu te verras toujours en coin cimetière. Donc c'est. Alors, il y a une nouvelle vie. Eh bien, c'est cette nouvelle vie-là dont les Saintes Écritures nous parlent, que nous avons revêtu donc l'image du terrestre et nous revêtirons aussi. Image donc du céleste. Mais si nous avons revêtu l'image du terrestre, le terrestre, on a pris tout du terrestre. C'est comme ça que... Ah, est-ce que vous comprenez? Le terrestre est en nous, son image se reflète chez nous. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ce qui est du terrestre... Mais si on nous dit que nous revêtirons l'image du céleste, c'est-à-dire que le céleste qui est en nous, aussi son image aussi... Ah non, si donc. Ce qui fait que nous puissions être comme les terrestres, c'est aussi la vie des terrestres qui est en nous. On nous voit agir comme les terrestres, pas comme des martiens, comme ils expliquent. Mais si nous avons maintenant la vie du céleste et l'image du céleste, on va agir en sens céleste. Mais cela ne va pas commencer au ciel. Déjà ici sur la terre. Ah, ah ben oui, monsieur.
C'est pour ça qu'on nous appelle des chrétiens. Pas de formule, parce que vous connaissez que la première fois, c'était Antioche. Quand on les a regardés, on ne les a pas vus comme Adam le mortel. On a dit, mais ils sont comme Christ lui-même. C'est-à-dire qu'ils ont reflété. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, a dit dans sa parole. Je surveille les temps. S'il consent à donner sa vie, est-ce que vous comprenez qui donne sa vie? Mais Christ lui-même. S'il a cette voie de donner sa vie, il verra une. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il prolongera ses jours. Donc, c'est-à-dire qu'il vivra dans sa postérité. Donc, ce ne sera plus la postérité d'Adam. Ah oui, parce que cette partie-là est passée. Maintenant, c'est l'autre partie du dernier Adam qui vit dans sa postérité. Et c'est ainsi qu'effectivement que nous nous retrouvons dans les Saintes Écritures, dans 1 Jean, on dit, mais tel il est. Ah ben oui. Mais toi maintenant, aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu viens toujours dans cet endroit, tu écoutes toujours la parole de Dieu. Le problème, c'est de poser la question, quelle est la vie qui t'anime en fait, à l'intérieur de toi? Vous me permettez? Amen. Le Seigneur nous dit dans le livre de Romains, il dit que nous n'avons pas reçu un esprit pour être esclaves. Il dit, nous avons reçu l'esprit d'adoption. C'est-à-dire que Dieu revendique que c'est à lui. Et Dieu témoigne qu'il est à lui. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez encore? Pierre et Jean, ils sont montés donc à la montagne de la transfiguration. Ils ont regardé, ils étaient là trois, ils l'ont comparé comme les autres, là, comme Moïse, comme Élie. Vous vous souvenez? Parce qu'ils ont dit, faisons trois tentes. Donc Élie, Moïse et toi, vous restez là-bas. Donc ils l'ont mis sur le même pied d'égalité. Mais c'est Dieu qui a fait la différence. Il a dit oui, c'était mes serviteurs, mais celui-ci, il est là, lui là. C'est mon fils bien-aimé, donc là-dedans, je suis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, écoutez les prophètes Moïse, écoutez les prophètes Élie. Est-ce que vous suivez? C'est pas moi qui invente les choses, hein? C'est bien écrit. Il a dit, Moïse et Élie, laissez-les de côté. C'est celui-là que vous devez écouter. Donc Dieu a témoigné de qui il était. Alors, il dit aussi que nous avons donc ici un esprit d'adoption donc qui crie en nous. C'est écrit comme ça. Abba, qui veut dire Père. Qui crie Père. Mais tu cries Père, qui est donc ce Père-là? Quel Père tu cries? Parce que c'est là que tu vois donc, l'esprit d'adoption, de l'esprit qui est en toi, il crie Père. Père. Bon, je vais vous poser la question. Est-ce qu'un ange peut appeler Dieu Père? Donc vous n'avez pas l'esprit de l'ange. Est-ce que vous suivez? Il n'y a qu'un seul qui a appelé Dieu Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Moi et le Père, nous sommes. Aucun ange ne pouvait dire cela. Mais en toi, on dit, cet esprit-là qui est en toi, il crie Abba. Ah. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Donc vous n'avez plus l'esprit charnel de la terre. Alors c'est l'esprit qui était en lui, qui est revenu maintenant en toi. Donc à ce moment-là, ben, nous pouvons l'appeler Père. Vous comprenez? Et c'est cet esprit-là, effectivement, aussi, qui rend témoignage à notre esprit. Est-ce que vous comprenez? Je veux savoir si vous comprenez que l'esprit rend témoignage à notre esprit. Et quel est donc cet esprit donc auquel il rend témoignage? Est-ce l'esprit de Dieu qui rend témoignage à l'esprit de Dieu? Est-ce que... Est-ce qu'on dit bien? C'est écrit, hein? Vous permettez? Bon, et puis nous allons nous arrêter là, peut-être aussi. Dans Romains au chapitre... Vous êtes fatigué? Non.
On peut continuer ? Amen. Longtemps, longtemps ? Amen. Vous êtes en congé, non ? Oui. J'ai pas entendu beaucoup de oui. Vous êtes en congé, non ? Oui, oui, des enfants. Bon. Que Dieu te bénisse. Amen. Je savais que c'était des enfants, mais je voulais entendre les parents. Amen. Parce que les parents sont toujours pressés par les enfants qu'on court demain. Mais que les enfants sont en congé. Le père sont aussi en congé. Les mamans aussi en congé. Les parents aussi en congé. Donc on n'est pas stressé. Oh. Nous aimons la parole de Dieu. Il n'y a pas une chose qui peut nous faire beaucoup de joie et qui nous apporter beaucoup de bonheur, d'allégresse, comme on l'a lu. Parce qu'il suffit de lire, mais il faut l'expérimenter. D'allégresse, si ce n'est que la parole de Dieu. Je crois que nos enfants qui sont assis aussi ici, ils aiment la parole. Amen. Sinon, ils ne seraient pas restés aussi tardivement, ils seraient toujours sortis, rentrés. Mais quand on le voit maintenant concentré, c'est qu'effectivement, il y a une attraction. Amen. Ils sentent que cette chose-là les concerne aussi. Vous savez, j'ai été touché, j'ai vu Glory. Vous connaissez Glory? Et elle vient de mon bureau. Vous ne comprenez pas pourquoi j'aime autant ces enfants, mes amis, comme j'ai béni, que Dieu bénisse Lise et mon frère Grégis, là, qui ont eu à pouvoir penser. Ils ont dit, les amis du pasteur, j'ai dit, on va le mettre ensemble pour prendre. J'ai dit que Dieu vous bénisse d'avoir pensé à moi comme ça. Mes amis sont vraiment précieux pour moi. Oui, d'ailleurs, vous le voyez bien, on s'aime beaucoup hein, avec mes amis. Et ils sont, leur amour est toujours tachant. C'est vrai. Hein? Que Dieu nous aide. Amen. Donc, nous disons dans les Saintes Écritures que j'allais lire effectivement dans Romains au chapitre 8, il nous dit ceci, je pense que c'est cela, à partir du verset 14, il nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Hein? Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur, effectivement, parce que ça c'est la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, vous suivez, par lequel nous crions « Abba ». Ah. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes. Ah, vous voyez bien, j'ai aimé cette écriture-là, c'est vraiment la différence, elle est claire et nette. Vous avez saisi? Parce que souvent, quand je lis la Bible, je vous dis que changer le E ici minuscule en majuscule, vous me regardez, est-ce qu'il va changer la Bible? Je ne change pas la Bible. Mais ils ont fait beaucoup d'erreurs aussi en transcrivant, parce qu'il faut rester dans l'Esprit de Dieu. Quand on parle, on prend l'Esprit de Dieu, on le met en E minuscule, et on perturbe tout effectivement. Et c'est beaucoup comme ça dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que, quand j'ai dit remplacer, c'est pour que vous puissiez bien comprendre ce que l'Écriture dit. Mais là, c'est tellement bien fait. Il montre qu'effectivement, que là, le verset, je sais pas que nous avons dit, verset 16, il dit, l'Esprit, avec E majuscule, lui-même, hein, rend témoignage à notre esprit, donc E minuscule, il ne peut pas être E majuscule. Là, vous comprenez que nous sommes donc enfants de Dieu. C'est ce que Dieu avait dit. Je vous donnerai un esprit. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que l'esprit nouveau? C'est tout nouveau. Regardez Ézéchiel 36, pour que vous puissiez encore voir vraiment la différence. Ézéchiel 36, il nous dit cela. Puis nous terminons, hein, puis nous allons prier. Ézéchiel au chapitre 36. Voilà, je pense que c'est cela. Je ne sais même pas si c'est 36. Je pense que c'est ça, 36, à mon avis. Voilà, merci Seigneur. Voilà. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Vous y êtes? Et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, hein? Et je mettrai en vous, regardez bien, un esprit avec E minuscule.
Vous suivez? Avec E minuscule. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que, regardez très bien, il nous dit encore, il dit, mais j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Maintenant, écoutez bien. Je mettrai, et là, ils ont fait une erreur. Ici, je mettrai mon esprit. Ils ont mis E minuscule. Mais mon esprit, là, c'est E majuscule. Est-ce que vous comprenez? Parce que mon esprit, c'est l'esprit du Saint-Esprit, c'est-à-dire que E majuscule, c'est Dieu lui-même. Mais l'esprit avec E minuscule, c'est l'esprit qui donne à l'homme. Vous comprenez? Alors, il y a une différence. Je mettrai mon esprit en vous. Je pense que si vous avez une autre version, ça doit être... Vous avez là? Ah ben voilà, dans la mienne ici, viens pour être un témoin, parce qu'il peut dire que je raconte, et parce qu'il raconte des choses, lui, il est en train de pouvoir voir. Mon grand, tu peux lire ici, donc, les versets ici, le verset 27. Mm-hmm. Je mettrai mon esprit en vous. Le E comment? Il est minuscule. Voilà. Donc dans ma Bible, c'est quand je vous dis mettez majuscule, dans ma Bible, c'est E minuscule. Or, dans la vôtre, c'est E majuscule. Gloire à Dieu, parce qu'ils ont corrigé là-bas. Donc, vous avez vu la différence entre le E minuscule et le E majuscule. Donc, c'est E majuscule, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Différent de E minuscule. Parce que par le baptême du Saint-Esprit, il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Avec le Saint-Esprit, tu n'as pas de difficulté pour aimer, pour chanter, pour être toujours bruyant à l'assemblée. Gloire à Dieu, tu n'es pas un marbre. On ne te pousse pas pour être dans le feu, mais le feu est dedans. Oui, oui, tu peux battre les mains, ma soeur. C'est la vérité. Ah oui, parce que nous ne sommes pas dans les courbières. Hein. C'est-à-dire que non. C'est vrai. Je crois que les psalmistes a eu à pouvoir nous le dire aussi dans les saintes écritures. Donc, vous remarquerez très bien que, et c'est cela que la différence, effectivement. Donc, l'esprit, donc, rend témoignage à un autre esprit. Mm-hmm. Que toi, tu es vraiment un fils de Dieu. Alors, quand que la Bible parle de fils et filles de Dieu, tu te sens inclus. D'ailleurs, pour toi, tu ne peux pas te sentir en dehors. Tu dis que là, donc, c'est de moi. Donc, de moi qu'on parle. Donc, fils de Dieu, fille de Dieu, donc, je suis l'un d'entre eux. Donc, c'est moi. Donc, ça me concerne. Nous terminons avec Colossiens maintenant, puis nous levons nos prions. Colossiens chapitre 3, c'est cela que nous étions effectivement en train de lire. Merci Seigneur. Voilà. Mm-hmm. Maintenant, regardez, il dit, mais quand vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et, bon, que nous puissions, parce que nous avons posé la question, mais de quelle vie en fait? Parce qu'on nous fait bien comprendre que votre vie est cachée. Et de Dieu, avec Christ. Avec Christ. Donc, sans Christ, il est impossible que vous soyez en Dieu. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, quelle est donc cette vie là-bas? Donc, c'est cette vie qui était en Christ. Amen. Parce que c'est là, quand vous êtes donc avec Dieu, donc avec Christ, donc accroché à Christ, donc c'est la vie de Christ. Amen. Et cette vie de Christ, effectivement, c'est quelle vie qu'il en avait, effectivement, de quelle vie parle-t-on? Mais c'est la vie de Dieu, en fait. Amen. Ah oui, parce que tu ne peux pas être en Dieu, caché avec en Dieu, sans que tu puisses avoir la même nature que Dieu. Est-ce que vous saisissez? Ce n'est pas votre vie humaine. Non, c'est la vie que nous avons reçue de Christ. Parce que cette vie est attachée à lui. Donc si nous détachons Christ, nous n'avons pas la vie de Christ. Alors si on dit qu'avec Christ, c'est-à-dire que c'est la vie de Christ qui nous a permis d'être en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Alors maintenant, si cela est ainsi, c'est-à-dire que ça a commencé d'abord par la conformité en sa mort. Pour avoir sa vie, il faut être quand même mort avec lui, comme il est donc un. C'est lui, donc là, mourir avec lui. Est-ce que vous comprenez? Christ n'a jamais aimé dans les bars. Vous ne le trouverez jamais dans les bars. Et puis, vous ne le trouverez pas avec les danses. Aujourd'hui, on m'a montré, je crois que c'est comme un badin. Il y a une musique qu'on appelle Sembele. C'est Sembele.
Et ça, j'ai vu, mais c'est ce que j'ai vu. Vous devez faire attention. Hein. Seven. Seven. C'est comment? Eh bien, vous le connaissez. Vous connaissez comment ça joue. Je vous en prie, ne venez pas avec ces bennes ici. Ah oui, frère. Quand vous jouez, jouez spirituellement. Quand vous dansez, j'ai vu des gens qui jantent avec vos bennes là, dans les églises. Mais si vous voyez comment ils dansent, mais c'est comme... Ah oui, pour eux, c'est chrétien. C'est croyant, c'est bien entendu. Mais c'est vraiment la musique, il va, les gens sont en train de voir. On dirait qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais non, c'est des démons qui étaient cachés dans la personne. Ils vous dansent des danses qu'on voit dans des groupes extérieurs, effectivement. Aussi. Mais vous aussi, même dans vos maisons, frères et sœurs, n'invitez pas des démons. Je vous en supplie. Oh, vous êtes là, vous entendez Saint-Bénet, ça vient. Et puis, non, c'est sérieux. C'est sérieux ce que je vous dis. Je ne peux pas vous. Mais sinon, c'est sérieux parce que le diable, il est très rusé. Ça vous donne le goût, effectivement. Mais ça vous envoie dans le monde. Hein. Et la partie spirituelle, surnaturelle, elle n'est plus là. Donc, quand vous jouez, quand vous dansez, comme ça, soyez toujours spirituel. Et quand vous faites les pas, parce qu'on peut voir les autres qui font les pas, les ici, c'est-à-dire qu'ils font les pas qu'ils faisaient dans les bars. Ici, ce n'est pas le bar. Donc, l'esprit. Mais c'est la vérité, frère, ça. On voit qu'un frère, il est dans la joie, il danse. Il dit, non, il pense à quand il était dans le grosse bar là. Et puis quand la guitare sonne, et puis dans le son, tout suit, effectivement, vous dites, ah, le frère est un esprit. Non. C'est important que vous compreniez parce qu'on ne veut pas de ces genres de choses-là ici. Moi, en tout cas, par la grâce de Dieu, je ne le veux pas. Donc, je prie que quand vous êtes. Parce qu'ici, quand on entend les chants qui viennent ici, ce n'est pas chanel. Donc, vous aussi, ne venez pas avec, maintenant, profiter pour, vous n'êtes pas un esprit, vous commencez à danser, c'est ben avec, non. Si ce n'est pas, priez Dieu, que Dieu vous, parce que, mon frère et ma soeur, quand on aime Dieu, on bouge. Amen. On bouge, comme David a dit, quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Je danse et je chante comme David. Et puis, je termine par là, parce qu'il y en a, s'il vous plaît, quand vous allez sur Internet, triez. Ne venez pas non plus avec des chants. Je ne cherche pas cela. C'est ce que je fouille dans les dénominations. Je ne veux pas ici qu'on le retrouve là. Donc, effectivement, je bénis Dieu parce que Dieu nous donne des frères qui peuvent arriver à pouvoir en jouer. Ça, c'est normal. Mais n'allez pas me chercher des cantiques qui sont chantés par des chanteurs qui sont dans le monde, qui se sont dit que nous sommes des chrétiens, mais qui n'ont rien à voir. C'est pour votre bien. Parce que ne ramenez pas le monde dans l'église. Le monde reste dehors. Dieu vous a donné des dons. Utilisez des dons, des inspirations divines. Il vous donne de composer des chants et des cantiques. Eh bien, allons-y de l'avant. C'est comme ça qu'il a fait avec ses d'antan aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui ont des dons, effectivement, dans le monde. Hein. Ils ont inspiré. Mais on prend quand même ce qu'on peut prendre. Hein. On trie quand même, pas me ramasser tout, venir ici, commencer à pouvoir me chanter. Hein. Je ne sais pas moi, mais ayez pitié de nous. Hein, parce que finalement, à force de pouvoir écouter cela, on s'habitue et les démons s'installent. Et quand on chante à l'ancienne mode... Oui, parce que j'ai entendu des cantiques anciennes mots ici. Il a été chanté, la chorale. Je dis, mon Dieu, il y a encore des cantiques encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève-nous. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons vraiment te dire encore merci. C'est une grâce, Père, de pouvoir réellement être à toi, de pouvoir aussi se tenir dans ta maison, de te louer, de te glorifier, de t'exalter, mon béni, mon Père, oh Dieu. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Soutiens-nous, Père, et nous avons vraiment besoin de toi encore aujourd'hui. Nous voulons vraiment que notre âme, notre cœur soit vraiment rassuré, mon béni, mon Père Tibissant, et aussi dans la paix, mon béni, mon Père Tibissant, avec toi, mon béni, mon Père Saint-Dieu, parce que nous voulons vraiment que la sémence de Dieu, Père Tibissant-Dieu, puisse vraiment aussi manifester ce que toi, tu as eu à pouvoir vivre sur la terre, mon roi. Je prie pour ce précieux frère et soeur que tu m'as donné la grâce de pouvoir conduire, mon roi, dans tous les lieux qui peuvent se trouver, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Oh, Dieu du ciel, je t'en supplie, mon roi. Oh, qu'il puisse voir réellement ta face, mon béni, mon Père Saint-Dieu, parce que
Ils se sont accrochés, mon bien-aimé Père Tibissant. Ils se sont aussi donnés, Père Saint-Dieu, malgré les insultes qu'on avait reçues, Père Tibissant, malgré les mépris, Père Dieu. Mais ils se sont accrochés à cette parole, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh, bien-aimé Père, comprenant, Père Tibissant, qu'ils peuvent être rejetés, mais ils n'ont pas regardé cela, Père Saint-Dieu. Mais leur cœur est attaché vraiment à toi. Je prie pour eux, mon bien-aimé Père Tibissant. Aie pitié, mon roi. Que ton peuple voie ta face, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que leur vie, Père Tibissant, la vie que leur a donnée, bien-aimé Père Saint-Dieu, puisse réellement aussi prendre possession davantage, bien-aimé Père Dieu, et remplir encore davantage leur cœur et l'âme. Nous voyons combien le monde est tellement agité et secoué, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu du ciel, mon bien-aimé Père, que nos cœurs soient tournés vers toi. Oh Dieu, nos projets vers toi, bien-aimé Père Tibissant, Dieu, toi dis, et comment ton sort à l'éternel et tes projets réussira, mon bien-aimé Père Dieu. Nous avons besoin de toi. Et encore en ces jours, mon roi, que ton peuple puisse réellement s'accrocher rien qu'à toi, mon bien-aimé Père Tibissant, et soupirant davantage, mon roi. Seigneur, souviens-toi de ces âmes, bien-aimé Père Tibissant, de mes frères et sœurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ils ont toujours accroché à ta parole, à toi, bien-aimé Père Dieu, et qui croient aussi de leur cœur, mon bien-aimé Père Dieu. J'implore ta grâce, mon bien-aimé Père. Chacun veut être là ces jours-là, mon bien-aimé Père Tibissant. Chacun d'eux veut entendre réellement son nom, bien-aimé Père Tibissant. Et je le crois aussi de tout mon cœur, mon sauveur. Merci. Merci, ô Dieu du ciel. Oh, réconforte ton peuple, mon roi. Merci pour nos enfants. Et c'est vrai, ces enfants, que tu le bénisses richement, que tu le soutiennes aussi, mon bien-aimé Père Saint. Mon âme te loue et mon âme te glorifie, mon sauveur béni. À toi la gloire et à toi l'honneur et à toi la puissance et la victoire. Je te loue de tout mon cœur et je te rends grâce, gloire et honneur pour ta bonté, pour ton amour et tes compassions et tes miséricordes à notre endroit, Père Dieu. Oh, c'est pour les âmes, c'est un jeu que nous sommes en train de pouvoir faire. Mais pour tes enfants, toi, c'est vraiment quelque chose de sérieux, Père. C'est leur vie, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu. C'est aussi leur foi. Ils ont foi en ta parole à toi. Et, oh Dieu du ciel, je te remercie pour des sœurs que tu m'as données, pour des frères que tu m'as donnés aussi, des enfants, des petits-enfants, bien-aimé Père Tibissant, des enfants qui sont là dans ta maison pour te chanter. Seigneur, aucun d'eux ne veut rester, mon bien-aimé Père Tibissant. Je t'implore la grâce, mon Seigneur. Je t'en supplie. Oh, tu as dit demander, vous recevrez. Je te demande cette grâce, mon roi, qu'aucun d'eux ne puisse manquer, Père. Vois leur cœur, vois leur sincérité, vois leur amour. Mes frères et sœurs qui sont aussi connectés en connexion, qui ont cet endroit comme étant aussi leur assemblée, que tu as toi-même aussi choisi et conduit, Père Tibissant, Dieu, parce qu'ils sont à toi, mon bien-aimé Père. Dans tous les lieux qui peuvent se trouver, mon bien-aimé Père Tibissant, je t'implore la grâce, mon roi. Oh, qu'aucun d'eux ne puisse manquer, Seigneur, parce que notre patrie, c'est le lieu céleste, mon bien-aimé Père Dieu. Nous implorons ta grâce et soutien et fortifie encore. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance et la victoire. Et au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, merci Père. Amen. Vous vous souvenez que je parlais de Glory? Et cet enfant m'a vraiment étonné, touché le cœur et elle est venue dans mon bureau. Mais c'est quelques jours auparavant, avant qu'on ait ces réunions et... Vous savez, c'est tout très touchant quand tu regardes les yeux des enfants, tu vois la sincérité. Et cet enfant vient dans mon bureau et me dit, et j'ai désiré te voir, évidemment, parce que j'ai quelque chose qui s'est passé. J'ai dit, c'est quoi, ma chérie? Alors, il me dit que j'étais endormi et j'ai comme... Parce qu'il me dit, mais j'ai entendu une voix qui me disait que tu dois te faire baptiser. Oui, et puis j'ai dit, mais c'est vrai, mais oui, oui. Et puis et l'autre jour, je dormais et je rêvais que tu m'as baptisé dans l'eau. Alors j'ai dit, ma chérie, tu as le désir d'être baptisé. Et j'ai vu ses yeux embués des larmes, c'est terrible. Hein. J'ai dit, oui. Alors moi, j'ai dit, quel âge as-tu? Elle m'a dit, 8 ans. Alors je lui dis, qu'est-ce que ça représente pour toi le baptême? Il dit, je ne veux pas rester sur cette terre, je vais voir le Seigneur Jésus. J'ai dit, mon Dieu d'amour, tu ne veux pas rester sur cette terre, tu veux être avec Jésus et que tu veux le voir. J'ai dit, c'est quand même fort que toi, à ton âge, tu puisses arriver à pouvoir ressentir ces désirs effectivement dans ton cœur. Elle a commencé à pouvoir pleurer. J'ai dit, c'est vraiment sincère ce qu'il y a dans ton cœur. J'ai dit, tu as vraiment, t'as dit oui. Il dit, vraiment, j'ai entendu.
Et puis quand je me suis endormi, je vis aussi effectivement qu'on me baptisait, qu'on me mettait dans l'eau et que j'étais baptisé. Voyez-vous, frères et sœurs, quand vous pouvez vous trouver dans cette condition-là avec un enfant de 8 ans, vous avez des larmes parce que vous dites, Seigneur, c'est... Est-ce que nous arrivons vraiment à la fin? Si les cœurs des adultes ne peuvent pas être touchés, et Dieu touche le cœur des enfants, et qui démontre qu'effectivement aussi que ces enfants que nous méprisons ici, quand ils sont assis là-bas, ils écoutent vraiment, tranquillement et calmement la parole de Dieu. Même s'ils sont un peu comme distraits comme ça. Moi, je vous l'ai dit, mon petit-fils Solomon, il m'étonne cet enfant. Je remercie Dieu parce que Dieu m'a consolé d'avoir ce petit. Ah, il aime la parole de Dieu. Et quand on lui dit, viens, on va à l'assemblée, c'est le lieu qui se sent bien. C'est la vérité. C'est pas parce que mon petit-fils me dit, mais c'est une consolation que Dieu m'a donnée. J'ai dit, c'est quand même fort. Ah, j'ai dit, Dieu d'Abraham, il nous aime. Et quand on voit ses enfants ici, comme les petites Marie, puis la fille de notre, comment il s'appelle encore, Rose. C'est, même les gens qui regardent, j'ai déjà entendu témoigner, c'est quand même extraordinaire. Et ces gens, ces enfants qui te chantent des cantiques. Donc c'est, Dieu nous a bénis. Alors, ces enfants que Dieu nous a donnés, on doit en prendre soin. Hein, parce que Dieu est en train d'agir aussi. Nous allons prier, puis nous allons... Tendre Père est précis, Sauveur. C'est vrai, les témoignages que nous vivons avec nos enfants, nous ne voulons pas, Père Saint-Dieu, que le monde les attire, mais tu nous consoles parce que tu agis, mon bien-aimé Père Dieu. Tu consoles nos cœurs en voyant ces enfants, comment ils sont sincèrement touchés. Mais pas jouer, Père Saint-Dieu, quand tu viens dans ta maison à toi, et nous pouvons le voir, même jeune, Père Tubissant, petit Père. Oh Dieu, les enfants de notre sœur Edith, Père Tubissant, combien tous ces enfants que nous avons tous ici, Père Saint-Dieu, ils se donnent vraiment à toi, mon Sauveur béni, et sincère, ces jeunes qui viennent ici et qui chantent et cantiquent chaque mardi, chaque jeudi, Jésus-Christ, mon roi, n'oublie aucun d'eux, Père. Que tu le protèges, que tu le soutiennes, mon bien-aimé. Ils sont notre patrie, Saint-Dieu, nous le revendiquons, et qu'ils soient avec nous, Père Saint-Dieu. Tout ce que tu nous as donné, Père Dieu, que tu puisses réellement nous accorder cette joie, que tu puisses ramener les rétrogrades, mon bien-aimé, patrie, Saint-Dieu, que les diables cherchent à pouvoir éloigner davantage, mon roi. Oh, parce que c'est vraiment une grâce que nous pouvons les avoir, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nous te remercions et nous rendons gloire à ton Saint-Nom. À toi la gloire et à toi l'honneur. Et au nom de Seigneur Christ, nous sommes ainsi priés à personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez vous asseoir. Gloria est ici ou elle n'est pas là? Ah, les frères Hachem fait non. Et il y a un cantique, je ne sais pas si c'est elle qui avait chanté ou ça, ou ça me dit, je chante la gloire. Vous connaissez ça? Vous la connaissez? Tu connais ma chérie? C'est, je chante la gloire. Que Dieu te bénisse. L'essence de ciel. Que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux. Regarde déjà. Hein. Il a. Où tu vas aller? Si. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, non? Et les paroles sont aussi écrites. Vous pouvez aussi chanter. Amen. Vous pouvez aussi. Amen. Alors que la chorale s'élève aussi pour que nous puissions chanter. Et ça se trouve dans le recueil. Oui, oui, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Merci. Puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la terre.
chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam, j'étais esclave du péché. Humain.